Aujourd'hui, tu parles d'une icône de la mode. Est-ce que... Pour vrai, je parle de Karl Lagerfeld, qui était le directeur artistique de Chanel. Il est décédé la semaine dernière, puis le monde de la mode est en deuil. Mon Dieu, puis on n'a rien fait pour le sauver! Je le sais! 38! 39! 40! Donc, Jeff, si je comprends bien, Pino est immortel! Ben... je comprends parce qu'il y a une étude récente qui lie le fait d'être capable de faire 40 push-ups à un faible taux de maladie cardiovasculaire. Ce que tu as fait, c'est que tu as pensé que c'était une relation de cause à effet. Puis c'est pas ça que l'étude dit. Elle fait juste lier les deux variables. OK. Mais en fait, moi, je veux dire, j'ai fait 3 push-ups, vous avez commencé à compter à 38. C'est pas une erreur rare. Oui. La majorité des gens la commettent, puis même des journalistes qui, des fois, vont prendre des études qui parlent d'un lien de deux variables et vont produire un article qui parle d'un lien de cause à effet. Mm-hmm. Fait que je vous ai préparé des petits exemples pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe. Par exemple, saviez-vous que la margarine tue l'amour? Quoi? Pardon? Oui, regardez. On va regarder l'évolution du taux de divorce dans l'état du Maine avec la consommation de margarine par personne. OK. Oh! Wow! C'est pareil! Ah! Voyons ça donc. Dit que si tes parents achètent de la baisselle, tu vas sûrement avoir 2 Noël l'an prochain. En rouge, c'est le taux de divorce dans l'état du Maine. Puis en noir, c'est la consommation de margarine. Fait qu'on voit que ça varie en même temps. Oui. Ici, la réponse, c'est le hasard. Ah! Ben, c'est juste le pourtant... hasard qui explique ça. Nous, on mangeait de la margarine. Ah! Ah oui. Oui. Allô, papa? Allô, maman? Dans vos salons respectifs. Ce graphique est tiré d'un site web rigolo qui présente plein de corrélations comme ça absurdes. Il y a des exemples, par contre, c'est pas le hasard, l'explication. Celui-ci, par exemple, c'est la répartition des villes du Québec selon le nombre d'écoles et le nombre de vols. Et? Ouais. Regardons de quoi ça va. L'acte criminel. What? Hein? Donc, plus il y a d'écoles, plus il y a de vols. Hein? 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 La question, c'est qu'est-ce qui cause quoi? Est-ce que quand les gens sortent de l'école, ils sont fâchés, ils vont voler des véhicules? Ouais, ça doit être ça. Ou le gouvernement construit peut-être des écoles dans les places où il y a plus de vols pour éduquer les gens, baisser le taux de criminalité? Okay, ouais, ça... Non plus! Non! En fait, c'était la réponse secrète C, qui est c'est juste la taille de la ville qui est importante ici. Ah, plus la ville est grande, plus il y a d'écoles. Plus la ville est grande, plus il y a de vols. Voilà. Oui, c'est ça de même. Ce qu'on retient là, de tout ça, c'est qu'il faut faire très attention quand on nous présente un lien entre deux variables. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui cause l'autre. Si on revient à notre exemple du départ, les push-ups et la santé du cœur, est-ce que ça se peut que les gens qui mangent bien, qui dorment bien, qui fument pas, qui boivent pas, aient une bonne santé cardiovasculaire? Mm. Puis ça s'adonne que c'est eux aussi qui sont capables de faire 40 push-ups. Mm. C'est pas nécessairement les push-ups qui vont te guérir là, de tes maladies cardiaques. Un autre exemple, récemment, ils ont une étude qui a montré que les gens qui faisaient trop de jeux de mots étaient souvent très célibataires. Dans ce cas-là, c'est vraiment du cause à effet. OK, fait que Jeff, tu m'as dit que t'allais faire 40 push-ups? Ouais. OK, go! Ah! OK. L'autre demain. Le 13 février dernier, Sam, il est arrivé un drame. C'est arrivé un gros drame, les amis. Le robot Opportunity de la NASA est mort sur Mars. Ah. C'est Opportunity, c'est un robot de type rover qui servait à faire des recherches sur Mars. Puis d'ailleurs, il a fourni plusieurs preuves de la possible présence d'eau sur Mars. T'sais. Puis au départ, sa mission était censée durer 90 jours. Okay. Puis elle a duré 15 ans. Puis il a pris plus de 225 000 photos durant sa mission. Mais après coup, la NASA s'est dit comme avoir ça, on aurait envoyé Kim Kardashian sur Mars, on aurait eu plus de photos. Mais comme, tu sais, c'est quand même pas si pire, tu sais. Puis, il y a personne qui a pensé faire des funérailles à Opportunity. Donc, c'est vrai, ça. J'ai goût de profiter de ma tribune aujourd'hui pour lui rendre hommage. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être réunis ici en si grand nombre pour rendre hommage à notre bon vieux Opportunity. Puis, ouais. As-tu quelque chose à nous dire? Ben oui, c'est ça. Je vous ai caché une petite nouvelle hein, dernièrement. Je savais pas trop comment vous dire ça, mais il y a une petite fille de 9 ans qui a reçu pour Noël un ordinateur. Elle a googlé son nom puis elle a découvert que sa mère bloguait à son sujet depuis sa naissance. Avec son vrai nom, parfois des photos à l'appui un peu gênantes, genre elle qui apprend à la toilette à 2-3 ans. C'est pas super. Puis qu'est-ce qui fait controverse, c'est que la jeune fille a demandé à sa mère d'enlever toutes les publications qui faisaient mention d'elle. Mm-hmm.
Puis sa mère a dit non. Ah! Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle, en tant que mère, elle avait encore des choses à vivre pour explorer sa maternité puis que ses enfants faisaient partie de ça. Mais ça, en fait, être une Instamom, publier des photos de ton enfant en ligne ou lui créer un compte à son nom, ça s'appelle le sharenting. C'est comme le parenting, mais en share, en le partageant avec tout le monde. Puis pour ajouter à tout ça, bien, quelques chiffres qui font pas du tout peur. 80 % des enfants auraient une présence en ligne avant leurs 2 ans. Ah! 1500, c'est le nombre de photos qu'un enfant aurait en ligne avant ses 5 ans. Hein? Un enfant sur 4 qui a déjà eu des photos de lui en ligne les a trouvées gênantes ou a été gêné par ces photos-là. Ben oui. Là, 1 sur 4, on dirait que c'est comme c'est déjà beaucoup, mais c'est pas beaucoup parce qu'on s'entend, les réseaux sociaux, ça fait pas très longtemps que ça existe. Hein? Ouais, donc, les enfants qui ont eu des photos en ligne, ils ont peut-être 9, 10 ans maximum. Le chiffre risque de grossir dans les années à venir. C'est sûr. Mmh. Mais là, Sarah, moi, en tant qu'Instamom, oui. J'aimerais savoir, est-ce que c'est dangereux de mettre des photos de son enfant sur Internet? Oui! Ah non! Oui, c'est sûr! Puis pour une raison notamment qui est très importante, c'est que quand tu publies des photos de ton enfant en ligne, je peux environ deviner sa date de naissance. On sait c'est quoi son nom. On sait de quoi il a l'air, même au travers des années. Hein, plus il y a des photos, plus on sait de quoi il a l'air. Et avec ça, on est capable de pouvoir prévoir un vol d'identité ou même de hacker son compte. Même qu'il y a une banque britannique, Barclays, qui prévoit que d'ici 2030, le 2/3 des vols d'identité vont être faits à cause du sharing. Ah, voyons, c'est bien épeurant. Ouais, c'est vraiment épeurant. Fait que voilà, mais puis ouais, moi, j'ai pas mal fait cette chronique-là pour toi parce que, tu sais, Chantal m'a appelé en panique en me disant que tu publiais trop de photos de lui sans son consentement. C'est vrai ça. Je pense que vous devriez vous parler. Non, je fais ça pour lui. Ah oui? On reçoit de l'argent pour faire de la pub avec sa face. Ouais. Et je mets ça de côté, et à ses 18 ans, quand il va être mort, on va faire un Christy party. All right!